Bonjour, c'est Alexandre et nous sommes au cœur de la ville de Mende. Je vous emmène à la découverte du Pan d'Auriac. Suivez-moi. Alors ce quartier, c'est un des plus vieux quartiers de la ville. C'était le quartier des petits métiers, des petites gens, mais c'était aussi un quartier très pieux, très croyant. On y trouve des petits oratoires comme celui qu'on va voir apparaître juste sur notre droite, là. Ces petits oratoires, ils se mettent en place au 19e siècle et ils sont tous dédiés à la Vierge qui devait protéger le quartier. Un quartier forcément assez religieux puisque la magnifique porte que vous avez ici, elle était la porte du couvent des Ursulines. Et dans ce quartier, on trouve la plus petite des rues de la ville de Mende. On trouve la rue de la Jarretière. Alors Jarretière, vous me direz, oui, on connaît, c'est la Jarretière de la Mariée, ça tient les bas. Et bien là, pas du tout, c'est juste parce que c'est la rue la plus étroite, la plus serrée. Et d'ailleurs, saviez-vous que la jarretière au Moyen-Âge, c'était les hommes qui la portaient, et ce jusqu'à la fin du 18e siècle. Et oui, mesdames, vous ne portiez pas de bas, vous aviez plusieurs jupons sous vos jupes, et c'est nous, les hommes, qui avions les culottes et les bas.